OK, la séance est enregistrée. Vous l'aurez dès demain sur la chaîne YouTube. Donc, pour développer cette structure que PlatinCoin vous demande de développer durant ces 3 mois et réaliser ses objectifs et par conséquent, gagner tous ces lots en jeu, ce dont vous avez besoin, c'est de démultiplier. C'est quoi la démultiplication? La démultiplication est une activité qui consiste à reproduire. Lorsque vous regardez cette image, PlatinCoin vous demande de produire 5 membres PlatinCoin et d'amener ces 5 membres à reproduire 5 nouveaux membres. Et que ces 5 nouveaux membres, eux aussi, reproduisent 5 nouveaux membres, ainsi de suite. Donc, cette reproduction, comment je vais dire ça, permanente, est ce qu'on appelle la démultiplication. Et vous devez comprendre que dans le métier, dans la fonction, dans la profession de marketing relationnel, les professionnels s'appellent leaders. C'est pour ça que vous allez très souvent entendre, on s'appelle entre nous leader Victor, leader Maxime, leader Evelyne, leader, voilà, leader Albert, leader ceci, voilà. Nous sommes des leaders. Ou alors, très souvent, vous allez plutôt entendre, si ce n'est pas le thème leader, c'est plutôt coach, coach Serge, coach Makanda, coach, etc., etc., coach Madame Yao, voilà. Tout simplement parce que vous allez le comprendre durant ces explications-ci, c'est au-delà d'être des titres, c'est de véritables responsabilités. Et la démultiplication fait partie de la mission, on va voir de la vocation même des leaders et des coachs. Un leader, c'est quelqu'un dont la mission et l'activité quotidienne est de démultiplier des leaders, est de reproduire des leaders. Et en fait, c'est ce que vous devez comprendre de cette image. PlatinCoin vous dit, si vous êtes un leader, alors produisez-moi des leaders. Et si vraiment vous êtes un leader et que ce sont des leaders que vous avez produits, que ces leaders, eux aussi, produisent, en fait, reproduisez tout simplement des leaders. Et tous ceux qui sont leaders, en fait, savent qu'au quotidien, leur mission, je parle bien de mission, c'est de démultiplier, c'est de reproduire, c'est de produire des leaders. Et lorsque vous entendez dans ce métier, on parle de coach, un coach, c'est quelqu'un dont la vocation, l'appel et l'activité quotidienne est de développer les autres afin d'en faire des étoiles. Donc, vous comprenez que si vous voulez développer votre entreprise avec PlatinCoin, si vous voulez développer votre structure, si vous voulez comprendre et réussir ce challenge, alors vous devez être des leaders, vous devez être des coachs. Et en tant que leader et coach, vous devez comprendre que dans l'activité de recrutement que vous êtes appelé à faire, que vous faites, en fait, le fond de cette activité, c'est simplement de démultiplier les leaders que vous êtes. C'est de reproduire les leaders que vous êtes. Et que ces leaders que vous avez produits, eux aussi produisent. Donc, en fait, on est là dans un cycle de reproduction, dans un cycle de démultiplication. Il s'agit là d'une mission, il s'agit là d'une vocation. Donc, la démultiplication, la stratégie de démultiplication dans le marketing relationnel et d'ailleurs dans toutes les grandes entreprises est simplement une véritable responsabilité de leader et de coach. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai voulu intituler même cette formation de ce soir Comment être un leader et un coach performant. Parce que si vous voulez effectivement développer, réussir la construction de votre entreprise avec PlatinCoin, vous devez être un leader et un coach performant. Parce qu'en fait, l'une des activités fondamentales, importantes, majeures pour développer votre réseau consiste à démultiplier les leaders. Donc, pour avoir une structure performante et dynamique, vous devez être un coach et un leader performant. C'est quoi un coach et un leader performant?
Pour moi, un coach et un leader performant, c'est vraiment un professionnel du marketing relationnel. Je vous ai dit vendredi que dans ce métier, on rencontre beaucoup d'amateurs, de poseurs, mais j'ai envie de les appeler beaucoup de blagueurs. C'est des blagueurs, voilà. Pour moi, s'il fallait que je catégorise les deux types de personnes qu'on retrouve dans ce métier, on retrouve d'un côté les professionnels et on retrouve de l'autre côté les blagueurs. Ne prenez pas mal si je dis blagueur, c'est juste pour dire qu'en fait, pour eux, cette activité n'est pas ce qui leur fait vivre. Parce que si vous êtes un professionnel de cette activité, vous allez comprendre que votre mission et votre responsabilité, c'est de développer des leaders. C'est d'amener des gens, eux aussi, à construire leur équipe, à construire leur réseau. Le leader Maxime qui est avec moi actuellement en ligne, il sait que chaque jour, sa responsabilité, sa mission, c'est de développer les leaders. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il a en dessous de lui d'autres leaders comme Edeman Momo, qui lui aussi, comprenant sa responsabilité, comprenant sa mission, lui aussi développe des leaders. Parce que moi qui vous parle, je suis aussi le produit des leaders au-dessus de moi, tels que Madame Dorcas, avec qui je travaille beaucoup, sans ignorer mes autres uplines qui sont entre elle et moi. Donc, dans ce métier, si vous voulez réussir, vous devez comprendre votre mission et votre responsabilité. Vous devez vous fixer l'objectif d'être la meilleure démultiplication de son leader. Et là, c'est quelque chose d'important. Dans ce métier, vous devez comprendre qu'au moment où vous rejoignez Platine Coin, vous avez trouvé des leaders au-dessus de vous, des gens grâce à qui vous avez rejoint cette activité. Et si vous observez bien ces personnes, ils ont une manière de travailler qui vous a permis, vous, de rejoindre l'équipe et qui leur permet chaque jour de développer leur équipe. Donc, l'un de vos objectifs en tant que coach, en tant que leader, c'est d'abord de vous bâtir de manière à être la meilleure version de votre upline. Alors, qu'est-ce qu'on appelle upline et downline? Upline, ce sont ceux qui sont au-dessus de vous. C'est-à-dire, c'est ceux qui vous ont parrainé pour rentrer dans l'activité. C'est ceux qui vous ont recruté. C'est ceux grâce à qui vous êtes entré dans l'activité. Ceux dont vous avez utilisé le lien. C'est ce qu'on appelle les uplines. Les downlines, ce sont ceux qui sont en dessous de vous. Ceux que vous avez fait rentrer dans l'activité. Donc, un coach, un leader performant, c'est celui qui se dit, qui se fixe l'objectif que autant mon leader a déployé tout un ensemble d'actions pour que je rentre dans cette activité, ma responsabilité dans la démultiplication des autres, c'est d'abord moi-même d'être performant, d'être meilleur, d'être dynamique, sinon d'être meilleur que mon leader. Et c'est pour ça que je dis toujours à mon leader, Madame Dorcas, que l'un de mes objectifs, c'est d'être meilleur qu'elle. Et elle est confortable avec ça. Elle dit, voilà, je veux avoir des gens qui ont l'ambition d'être meilleurs que moi. Ça, ce n'est pas une concurrence, mais voilà, ça montre l'envie. Et ça montre que je m'inspire d'elle. Donc, c'est un métier où lorsque vous rentrez, vous devez bien vous dire qu'il faudra que vous vous inspirez de vos meilleurs leaders. C'est vrai que dans ce métier aussi, on retrouve des uplines qui sont souvent boiteux, qui sont souvent, j'ai envie de dire, à la limite, inconscients ou irresponsables. Mais c'est à vous, dans la structure, d'identifier quel est le leader dont la manière de travailler vous inspire à pouvoir vous aussi bâtir une entreprise, une structure performante et vous fixer l'objectif dès lors, d'être sa meilleure démultiplication. Et moi, personnellement, je suis toujours content de savoir que Madame Dorcas dit, je suis, moi, sa meilleure démultiplication dans son réseau. Ça montre que je duplique ce qu'elle fait. Et on sait tous qu'en Afrique, au Cameroun et en Afrique et dans le monde, elle fait partie des leaders influents, des leaders majeurs de Platine Coin. Et c'est de la même manière que je sais que mes downlines qui sont aussi en bas s'inspirent de moi et s'améliorent. De la même manière, vous aussi, vous devez vous inspirer de ceux qui sont au-dessus de vous, dupliquer, faire ce qu'ils font de bien. C'est ça, dupliquer, faire ce qu'ils font de bien pour que vous puissiez avoir les mêmes résultats qu'eux, sinon les meilleurs résultats qu'eux. Troisièmement, si vous voulez développer votre entreprise, si vous voulez être un coach, un leader performant, un vrai professionnel du marketing relationnel avec Platine Coin, vous devez vous engager donc par conséquent à vous doter de tout le nécessaire pour assumer votre mission et responsabilité. Un leader performant, c'est quelqu'un qui se forme, qui s'informe, qui est disponible, qui développe des outils
qui développe son personal branding, qui développe des espaces d'échange. Un espace d'échange comme celui que vous, auquel vous êtes en train de participer, c'est une de mes initiatives en tant que leader. Je sais que j'ai la responsabilité de bâtir d'autres. Je sais que j'ai la responsabilité de former les autres. Donc, du coup, je prends une salle Zoom où je peux, une, trois fois par semaine, permettre, former, informer mes équipes pour leur permettre d'avoir tout l'équipement, eux aussi, de bâtir leur structure. C'est ça la conscience de leadership. Donc, vous devez comprendre que si vous voulez réussir à construire cette entreprise de cette démultiplication, vous devrez vous former en permanence. On en a parlé abondamment vendredi, je ne vais pas m'attarder dessus. Autre point, c'est vous fixer l'objectif d'avoir des downlines qui sont la meilleure démultiplication de vous-même. Un leader, c'est quelqu'un qui réussit à former des gens en dessous de lui qui soient au moins bons que lui, au moins performants que lui, sinon plus performants que lui. C'est ça la mission, la vocation, la responsabilité lorsque vous décidez de construire une équipe, une structure comme celle-ci. Parce que vous comprenez qu'ici, vous avez besoin de recruter 5 personnes. Sauf que si ces 5 personnes n'ont pas la même compréhension, la même vision, ne sont pas aussi dynamiques que vous, si vous n'avez pas réussi à les bâtir, ils ne pourront pas eux aussi démultiplier 5 autres personnes ici en bas. Et ainsi de suite. Donc, vous devez comprendre qu'en tant que leader, vous devez travailler à ce que vos downlines soient la meilleure démultiplication de vous. Et par conséquent, cela veut dire que vous devez chaque jour mettre en place des programmes de développement et de perfectionnement de ces downlines, de ces équipes. Et c'est la manière la plus fiable, la plus sûre de pouvoir bâtir une équipe efficace. Et c'est ça être un leader. Donc, quand on vous dit leader, je pratique, un leader, ce n'est pas seulement qu'il est le premier à avoir rejoint l'entreprise. Non. Un leader, c'est celui-là qui démultiplie la vision qu'il a reçue des anciens, qui démultiplie les bonnes pratiques qu'il a reçues des anciens, qui démultiplie, qui reproduit les bonnes approches, la bonne pensée, la bonne énergie, les bonnes méthodes de travail qu'il a reçu des anciens, mais mieux encore, qui amène les nouvelles personnes qui rejoignent l'activité à comprendre cette activité et eux aussi à travailler, à avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir développer leur structure. C'est ça être un coach et un leader performant. Et je voudrais comme ça aussi interpeller vous tous qui êtes là, tous les leaders qui sont là, tous ceux qui travaillent au développement de l'équipe, à comprendre que c'est ça qu'ils doivent comprendre. S'ils sont véritablement des leaders, s'ils sont véritablement des coachs performants, il faut qu'ils développent cet état d'esprit. Et pour développer une structure ou un réseau dynamique, un coach ou leader a juste besoin de développer une équipe de 5 leaders et de coachs meilleurs que lui. Lorsque vous avez recruté 5 personnes, votre mission, c'est de réussir à développer ces 5 personnes afin qu'eux aussi, afin qu'elles aussi soient des coachs et des leaders comme vous, qui auront compris qu'en tant que coach et leader comme vous, ils ont aussi la responsabilité de recruter et de développer 5 autres personnes comme eux. Et ces 5 autres personnes qu'ils auront recrutées et développées comme eux auront donc compris que leur mission et leur responsabilité, c'est de recruter et de développer 5 autres personnes comme eux. Voilà le cercle vertueux dans lequel PlatinCoin nous invite à travailler durant ces 3 mois de manière concentrée, de manière spéciale et à la clé, nous récompense face à tous ces efforts que nous aurons mis en place. Donc, vous avez besoin, votre travail au quotidien en tant que leader, c'est de développer ces 5 personnes. C'est de créer une dynamique qui soit telle que
on n'a qu'une démultiplication des leaders. On n'a qu'une reproduction des leaders. Maintenant, c'est vrai. Quand j'ai dit ça, vous allez me dire, ce n'est pas tout le monde qui rentre dans l'activité qui a envie de networker. Je suis d'accord. Ce n'est pas tout le monde qui rentre dans l'activité. Il y en a qui ont acheté Platincoin juste pour être dans la position d'investisseur. OK. Mais il y en a aussi qui sont rentrés dans Platincoin, pas seulement pour être investisseur, mais pour voir, pour créer leur entreprise, pour profiter de Platincoin, pour créer leur entreprise. Il y en a même qui rentrent dans Platincoin juste pour être investisseur, mais de par le coaching que vous pouvez leur apporter, les échanges que vous pourrez avoir avec eux, l'inspiration que vous pourrez les apporter, vous pourrez les transformer à ce qu'ils ne restent plus seulement des investisseurs, mais ils basculent dans la partie et deviennent des networkers. Et c'est en fait ce que Platincoin attend de nous. Parce que dans la démarche du marketing relationnel, l'entreprise veut faire de ses clients ses vendeurs. L'entreprise veut faire de ses clients ses prescripteurs. En fait, même dans le marketing relationnel, on ne parle même pas que de vente, on parle de la recommandation. Donc, nous devenons des recommandeurs, des prescripteurs. Et plus le maximum de membres de Platincoin vont être des prescripteurs, plus le nombre de membres de Platincoin va augmenter dans le monde, et cela n'aura qu'un seul et un seul avantage, c'est de faire croître la valeur de la pièce. Parce que je sais que la valeur de la pièce de Platincoin est quelque chose que tout le monde rêve, que tout le monde attend. Parce que chaque jour, quand est-ce que Platincoin va passer à 1000 euros? Quand est-ce que Platincoin va passer à 250 euros? Mais en vérité, de manière marketing, l'objectif de cette promotion-ci, c'est de maximiser le nombre d'utilisateurs de Platincoin dans le monde, afin que cette croissance de l'effectif de membres crée une croissance de la demande des pièces. Parce que si vous avez vu les packs promotionnels, si tout le monde prend son pack promotionnel et s'engage à recharger son champ, je vous assure, en un mois, en deux mois, la valeur de Platincoin va juste exploser. Parce qu'il y aura une telle demande de pièces sur le marché qu'il n'y aura pas d'offre pour pouvoir la satisfaire. Ça va créer un assèchement, et avec les projets Platin Deal, Platin Hero et les nouveaux produits qui sont en train d'être lancés actuellement, tels que Alex Rena l'a annoncé, ça va créer un boom. Donc, nous comprenons ici que cette stratégie de démultiplication, cette stratégie de démultiplication, en fait, n'a pour finalité véritable que la croissance de l'activité, la croissance de la valeur de la pièce. Donc, nous comprenons à quel point chacun de nous, à ce call-ci, doit se sentir interpellé. C'est trop facile pour chacun de nous de s'asseoir et de dire « Quand est-ce que Platincoin va passer à 1000 euros? Quand est-ce qu'on va me reverser les pièces des blocs plus ?» Mais si nous tous qui avons acheté les packs, nous, on s'assied, qui va faire le job de développer le nombre de membres de Platincoin? Qui va faire ce job? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a pris sur lui de promouvoir Platincoin que nous, aujourd'hui, nous sommes dans Platincoin. Donc, si chacun de nous, si vous qui êtes en train, vous fermez votre bouche, vous ne voulez pas en parler autour de vous, on appelle ça de l'égoïsme. On appelle ça de l'irresponsabilité. Donc, Platincoin veut vous inviter, veut vous encourager à devenir ses prescripteurs, à devenir ses recommandeurs, à devenir ses vendeurs, à devenir ses promoteurs, à devenir ses commerciaux. Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit avec le marketing relationnel. Et si nous tous, nous nous y mettons, je vous promets, guys, que les 1000 euros que Alex dit qu'il veut qu'on atteigne ça d'ici la fin d'année, je vous promets que si on le fait, si là, par exemple, je vois que nous sommes 26 ou 25 en ligne, si seulement les 25 personnes s'engagent chacun sur les 3 mois qui arrivent à pouvoir démultiplier 5, plus qui feront aussi 5 autres personnes et qui seront dans la dynamique de faire eux aussi 5 autres personnes, je vous promets que quel que soit le pays dans lequel vous me recevez actuellement, ça va faire boum. Ça va faire boum. Donc, pour dynamiser au quotidien vos équipes, lorsque vous avez identifié dans vos équipes des personnes qui ont la volonté, qui ont envie
de construire leur entreprise, de bâtir leur entreprise, de bâtir leur structure, de bâtir leur réseau, lorsque vous avez identifié ces personnes-là, l'une des choses que vous devez faire, c'est d'abord de partager votre vision, vos objectifs, vos rêves et vos actions avec ces downlines. Comprenez que, en tant que chef d'entreprise, parce que c'est de ça qu'il s'agit, vos collaborateurs, vos partenaires, parce que vos downlines sont vos partenaires, ne parlons même pas de collaborateurs, vos partenaires, pour qu'ils vous suivent, il faut que vous partagez avec eux votre vision de PlatinCoin, vos objectifs, vos rêves, vos actions. C'est là qu'ils vont trouver l'inspiration, c'est là qu'ils vont trouver la motivation, c'est là qu'ils vont trouver le courage d'avancer. Parce que c'est ce que Alex Reynard fait avec nous. Si vous écoutez les webinaires d'Alex Reynard tous les mercredis, il partage avec nous sa vision. Et c'est ce qu'il a encore fait il y a de cela 3 jours. Il a partagé avec nous sa vision. Il a partagé avec nous ses objectifs. Il a partagé avec nous ses rêves. Il a partagé avec nous ses actions. Et c'est ça qui nous booste, qui nous amène, nous, ses downlines, nous, ses collaborateurs, nous, ses partenaires, à pouvoir porter, à pouvoir trouver toute l'énergie pour pouvoir avancer. Et c'est ainsi que nous aussi, nous les partageons régulièrement avec vous et que vous aussi, vous devez les partager. Donc, en tant que leader, en tant que coach, en tant que professionnel de marketing, en tant que chef d'entreprise, chef de votre structure, chef de votre réseau, vous devez partager la vision que l'entreprise a. Parce qu'en fait, quand je dis votre vision, il s'agit de la vision de l'entreprise, des objectifs de l'entreprise, des rêves de l'entreprise que vous vous êtes approprié. Il s'agit aussi de veiller à la formation et à l'information de vos downlines. Il n'est pas normal que vous ayez recruté des membres, mais dont vous pour qui, auprès de qui vous ne faites aucun suivi. Ce n'est pas bon, ce n'est pas juste, ce n'est pas responsable. Veillez à leur formation, veillez à leur information, parce qu'il y a beaucoup qui rentrent dans l'activité juste parce qu'ils nous ont fait confiance, pas parce qu'ils comprennent. Mais c'est à nous de veiller à ce que, une fois qu'ils y sont parce qu'ils nous ont fait confiance, il faut qu'ils comprennent comment ça se passe. Il faut qu'ils comprennent ce que c'est que PlatinCoin. Il faut qu'ils comprennent le business model de PlatinCoin. Et qu'en tant que leader, ils comprennent ce que veut dire être leader et coach, comme je suis en train de le faire actuellement. Et l'activité, et ce soir, c'est une formation que je suis en train de vous faire. C'est une formation que nous sommes en train de faire depuis mardi dernier. C'est une formation que l'on fait presque 3 fois par semaine. Ça, c'est la partie francophone, mais je sais que nos leaders, Madame Dorcas, Roland Jansi, font des webinaires presque tous les 2 jours pour vous former soit sur PlatinCoin, soit sur le back-office, soit sur le plan de rémunération et tout. C'est ça les formations dont il s'agit. C'est ça l'information aussi. Tout à l'heure, nous avons partagé avec vous une capsule d'Alex Reynard qui apportait des informations, des encouragements, partageait sa joie. C'est ça que vous devez faire tous les jours. Donc, vous devez être capable, par exemple, de créer même vos propres blogs où vous allez animer vos downlines, où vous allez animer vos équipes. Un peu comme nous aussi, nous faisons tous les jours. Si vous regardez bien les blogs, observez, vous allez voir que presque tous les jours, nous partageons soit des vidéos, soit des messages écrits, soit des documents. Bref, on partage un ensemble d'éléments qui vont dans le sens de vous former et de vous informer sur PlatinCoin. Parce que plus vous serez formé et informé sur PlatinCoin, mieux vous serez équipé à pouvoir démultiplier. Vous devez vous assurer en tant que leader, en tant que chef d'équipe, en tant que chef d'entreprise, que vos partenaires avec qui vous travaillez ont des activités journalières qui vont leur permettre de bâtir leur entreprise. C'est ça être un coach. C'est ça être un leader. Un leader n'est pas simplement là qui s'assoit et dit « je suis leader ». Tu es leader sur qui? Si tu es leader, c'est parce que tu as une équipe que tu accompagnes, c'est parce que tu as une équipe que tu inspires, c'est parce que tu as une équipe que tu coordonnes, c'est parce que tu as une équipe que tu coaches dans la programmation des activités au quotidien. Vous devez avoir des programmes collégiaux ensemble, des activités collégialement organisées entre vous, avec vous et vos downlines. Vous allez par exemple voir que là, par exemple, pour cette semaine-ci, c'est moi qui ai animé les 3 sessions de formation durant la semaine, mais
souvenez-vous que la semaine dernière, c'est le grand leader Maxime qui a animé. Il y a des jours, c'est le grand leader Edeman Momo qui a animé. Il y aura d'autres jours. Demain, par exemple, c'est la grand leader Chavelli Claire qui va animer. C'est ça. Donc, ça veut dire que mes équipes et moi, nous travaillons ensemble pour pouvoir développer nos entreprises, chacun à son niveau. Et c'est ça le leadership. Vous devez vous aussi le faire chacun, chaque jour. Vous devez encourager et motiver à permanence. Vous devez encourager et motiver en permanence vos downlines. Vous devez encourager et les motiver. Parce que ce métier de marketing relationnel est un métier pas aussi facile qu'on le pense. Et d'ailleurs, beaucoup s'en rendent compte. Beaucoup qui viennent en pensant que c'est un ticket de loterie où ils vont gagner le jackpot. Excusez-moi, je voudrais répondre à... Oui, leader Saï, bonsoir. Oui, en fait, le webinaire de ce soir n'est pas un webinaire de présentation de Platinum Coin. Je suis le leader Victor. C'est moi qui vous ai écrit par WhatsApp ce matin de la part de Madame Yao. Depuis cette semaine, nous avons entrepris une formation de un thème sur comment bâtir son entreprise de marketing relationnel avec Platinum Coin. Dès demain, nous allons, déjà tout à l'heure, à 20, dans 10 minutes, nous allons commencer une autre présentation en anglais qui va faire la présentation, qui va porter sur Platinum Coin. Pour cette semaine-ci, pour les présentations du moins francophones, on a traité plutôt d'un autre thème. Mais dès demain, à 19h, je pense bien, vous êtes dans le blog, vous allez recevoir le lien de la présentation de Platinum Coin. Toutefois, je vais vous envoyer des vidéos. Je vais vous envoyer des vidéos. Pour vous permettre aujourd'hui même déjà d'avoir une idée de ce que c'est que Platinum Coin. Mais rassurez-vous, je suis disponible pour vous dans un inbox, écrivez-moi, je vous enverrai le maximum d'éléments comme je l'ai fait déjà ce matin. Merci d'être là. D'accord, je vous envoie, vous aurez le lien du Zoom en anglais tout à l'heure, d'ici quelques minutes. Voilà, donc vous devez encourager et motiver vos downlines à pouvoir persévérer, à rester patient et à multiplier les efforts. Parce que beaucoup qui se lancent dans le marketing relationnel avec Platinum Coin pensent très souvent que c'est facile, mais ils se rendent compte que voilà, c'est un gros travail de construction et ça demande de la motivation chaque matin, ça demande de la motivation chaque jour pour pouvoir avancer. Et en tant que leader, écoute, vous devez comprendre cela et accompagner vos équipes. Vous devez partager la vie de vos downlines. Comment est-ce que vos downlines se comportent? Comment est-ce qu'ils vivent au quotidien? Leur réalisation, leurs difficultés, leur joie et leur peine. C'est ça, la proximité que promeut l'activité du marketing relationnel. Il y a une proximité, il y a une vie d'équipe qui soit telle qu'on est très proche parce qu'on est solidaire, on construit chacun son entreprise, chacun son réseau, mais nous sommes tous une équipe grâce à laquelle nous sommes plus forts. Donc, vous devez soutenir vos downlines dans la gestion des cas difficiles. Au quotidien, nous avons des downlines qui rencontrent des difficultés, soit dans la gestion de leurs des préoccupations de certains de leurs downlines. Donc, vous devez, en tant que leader, les accompagner. N'abandonnez pas vos downlines. Accompagnez-les tous les jours. Accompagnez-les tous les jours. C'est votre job de s'assurer qu'ils ont le matériel pour travailler, qu'ils comprennent ce qu'il faut faire, qu'ils sont présents dans les sessions de formation comme celle-ci, qu'ils sont présents dans les sessions de présentation de Platinum Coin, comme ce qu'on aura tout à l'heure avec notre leader Dorcas. Qu'ils soient présents, qu'ils regardent les vidéos, qu'ils soient présents aux présentations du leader, de notre CEO Alex Zena, ainsi de suite. Vous devez les aider eux aussi à bâtir leur structure de saint leader en dessous d'eux. C'est ça être un leader et un coach performant. C'est ce que vous devez faire chaque jour si vous voulez réussir à bâtir une entreprise. C'est ça que vous devez faire si vous voulez réussir à bâtir cette équipe et à gagner ce challenge organisé par Platinum Coin du 1er juillet au 30 septembre 2021.
Donc, si vous voulez réussir à créer cette dynamique, vous devez suivre ces 5 downlines. Vous devez les coacher de manière à ce qu'ils soient suffisamment formés et informés, de manière à ce qu'ils soient suffisamment motivés, encouragés, de manière à ce qu'ils aient suffisamment d'outils, d'éléments pour leur permettre eux aussi de bâtir leur sein et qu'eux aussi comprennent qu'en tant que leader et coach, leur responsabilité, c'est aussi d'équiper, de former, d'informer, d'encourager ceux-ci et de transmettre cette dynamique afin que ceux-ci en fassent pareil. Ce n'est que quand vous aurez fait ça que vous pourrez dire que vous êtes un leader et un coach performant. C'est ça le travail que vous devez accomplir tous les jours. Parce que, en fait, en tant que leader et coach, votre activité, c'est de construire, c'est de bâtir 5 leaders et coachs comme vous, 5 leaders et coachs performants comme vous. Parce qu'ils seront performants, pourquoi? Parce qu'eux aussi vont comprendre que leur responsabilité, c'est de bâtir 5 autres leaders performants plus qu'eux, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est alors que ce cercle vertueux mis en place, vous allez voir comment votre entreprise va se développer de manière efficace dans le monde. Et vous verrez comment vous vous attirez en carrière, vous ferez des revenus tous les jours. Et je peux vous rassurer que si vous vous y mettez dès à présent, je ne serai pas surpris que certains d'entre vous décrochent une grande quantité de ces gains-ci, de ces lots-ci. Ça ne dépend que de votre détermination, ça ne dépend que de votre engagement, ça ne dépend que de votre volonté. Si vous voulez développer votre entreprise avec Platinum, si vous voulez développer votre structure, vous, en tant que leader, écoute, vous devez construire 5 autres leaders. Donc, voilà ce que j'avais prévu pour vous ce soir pour boucler cette troisième partie sur les conseils. Maintenant, il y a beaucoup d'autres choses que vous devez savoir, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut vous apporter. Rapprochez-vous de vos leaders, rapprochez-vous de vos uplines. Si auprès de vous n'avez pas tout l'accompagnement, montez au-dessus, allez vers le leader de votre leader et ainsi de suite, échangez. Vous allez trouver forcément dans cette hiérarchie-là un leader qui aura tout le charisme, qui aura tout l'équipement, l'expérience, toute la motivation pour vous accompagner. Donc, et c'est ainsi que vous pourrez construire votre entreprise avec Platinum. Donc, je m'en vais rapidement ouvrir la séance des questions-réponses. Si vous avez des questions, posez-les. Et c'est aussi en même moment la possibilité pour vous de poser toutes les questions liées à Platinum. Pas seulement les questions liées au sujet de ce soir, mais les questions liées à Platinum. Donc, mais si au-delà des questions, si vous avez des réactions ou des contributions, si vous avez des contributions, n'hésitez pas, c'est l'occasion de le faire. Donc, nous avons 15 minutes pour le faire. Après, nous devons basculer sur le Zoom de notre leader Dorcas qui va commencer dans quelques minutes. Nous devons aller écouter ce qu'elle a prévu, elle aussi, pour nous. OK, la parole à qui veut la prendre. Ouvrez votre micro et parlez. Il y a, je ne sais pas si c'est monsieur ou c'est madame, Gassam qui a levé la main. Si tu veux dire quelque chose, tu peux ouvrir ton micro, tu parles. Hein. Vous avez aussi la possibilité d'écrire votre question dans le chat. Je peux lire, si vous avez du mal à ouvrir votre micro, vous pouvez écrire votre question dans le chat. OK, oui, le lien du webinaire de demain. Est-ce que Chavelli est en ligne? Chavelli, si tu es là, partage le lien de ton webinaire de demain. Mais rassurez-vous, on va partager. Partage-le dans le chat box ici pour que demain les gens puissent se connecter. Toutefois, nous allons partager le lien avec vous dans le blog. Nous allons repartager, puisque ça a déjà été partagé, si je ne me trompe pas. Nous allons repartager ça ce soir et demain avant la présentation. Donc, soyez rassurés. Il y a Emma qui dit super présentation. Merci Emma. Est-ce qu'il y a des contributions? Est-ce qu'il y a des questions? Je vous en prie, ouvrez vos micros et parlez quoi. Voilà, le lien de la présentation de demain a été publié dans le chat. Donc pour ceux qui voudront se connecter à la présentation de demain en français.
Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions, il n'y a pas de... Edelman, leader Maxime, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Est-ce que tu voudrais... tu n'as pas quelque chose à dire? Alors, il y a quelqu'un qui pose la question. Bonsoir à toute la communauté Platinum Coin en ligne et puis les nouveaux venus. Je pense que la présentation a été bonne sur la formation que nous avons commencée depuis le début de cette semaine. Et leader, tu l'as si bien dit. Je pense que ceux qui veulent porter la casquette de leader aujourd'hui dans l'activité de Platinum Coin, c'est tout simple aujourd'hui de pouvoir mettre en pratique tout ce que vous avez dit. Parce que être leader, moi-même, je commence à me rendre compte de la lourdeur de la tâche. Parce que il faut s'auto-vraiment discipliner soi-même. Il faut se découvrir. Il faut même se surpasser à un certain moment, même quand tu n'as pas la force de faire certaines choses. Il y a des personnes sous toi qui te regardent, qui attendent de toi, et il faut véritablement que tu sois à la hauteur. Donc, aujourd'hui, s'il y avait certains qui n'étaient pas encore sûrs du chemin qu'ils voulaient emprunter dans cette activité, ou encore qui utilisaient le nom de leader sans toutefois comprendre la connotation ou alors les obligations d'un leader, voilà, aujourd'hui, tout le monde comprend. Et je pense qu'avec cet éclairage, tout le monde doit comprendre exactement où il est et se mettre au travail. Il n'y a rien de mal à devenir leader, mais tout de bien à le devenir, et que demain ou après-demain, à un certain moment, moi, je me dis, voilà, il n'y a pas quelque chose de plus bien dans la vie que de savoir que il y a des personnes qui comptent sur toi pour les éclairer, que tu sois celui-là qui apporte toujours le plus positif. On appelle ça la valeur ajoutée, que tu sois celui-là qui a une valeur ajoutée dans la vie des autres, que ce soit la vie personnelle ou encore la vie entrepreneuriale ou encore dans le développement de leurs équipes, mais se mettre à la disposition des autres, c'est quelque chose, comme tu le disais souvent à des moments, on ne le comprenait pas, mais c'est quelque chose, après cette lourdeur, après ce travail, après cette tracasserie, tout ce que tu peux avoir de bien, quand tu vas te reposer, si tu te dis, oui, voilà, j'ai pu aider des personnes, et ces personnes-là, aujourd'hui, elles peuvent être où elles sont grâce à moi. C'est ça la fierté d'un leader. C'est ce qu'un leader récolte. Donc, aujourd'hui, grand leader, moi, je ne suis que fier de cette présentation et je dis à tout le monde, vraiment, mettons-nous au travail pour essayer de développer nos entreprises respectives avec Platinum Coin, parce que, en fait, c'est de ça qu'il est question. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, grand leader Maxime. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait intervenir? Est-ce qu'il y a une question? Quelle que soit la question que vous avez sur Platinum Coin, c'est l'occasion de la poser. Posez toutes les questions que vous avez ce soir. Je réponds à toutes les questions. Nous avons encore 10 minutes avant de rejoindre le webinaire de notre leader Dorcas. Il y a Lydie Noël qui dit « Brillant exposé, leader. Oh, » OK, merci Lydie. Est-ce qu'il y a... quelqu'un d'autre qui aimerait prendre la parole, ouvrez simplement votre micro et partagez soit une question. Evelyne, est-ce que ça a été suffisamment clair pour toi? Leader Makanda, est-ce que ça a été clair? Platine? Oui, leader, merci. C'est bon. OK, super. Je sais que tu es en train de faire un formidable travail au Sénégal avec tous tes leaders. Voilà quoi. Je pense que la formation de ce soir, certainement, il y en a certains qui sont en ligne, ils ont été inspirés et ça va les galvaniser davantage. Le Sénégal est à vous, le Sénégal est encore vierge, travaillez dur. Je pense qu'avant la fin de l'année, je vais revenir au Sénégal pour qu'on
pour qu'on refasse encore d'autres séances de travail. Donc, beaucoup de courage à vous de ce côté-là. Ok, merci beaucoup, leader. Merci pour la disponibilité. Bonsoir, leader. Bonsoir, Kalidou Makanda. C'est ça, c'est ça. Très belle présentation. Je pense que ça entre tout dans l'ordre de la galvanisation. En fait, tout ce que le MLM n'est pas facile. Et vraiment, comme le leader Maxime me disait avant de partir sur Belkoa, on doit continuer à se battre. Je pense que ça va porter les fruits. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci, leader Makanda. Leader Madoché, est-ce que tu as une réaction? Non, mais c'est le match qui donne tout à l'heure. Bonsoir à tout le monde. Les Anglais sont dans le stade. Ouais. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toute la communauté Platine Coin. Moi, je suis plutôt très, très heureux de ce genre d'initiative, leader Victor. Ça nous permet de mieux comprendre l'importance de la lourdeur de notre responsabilité. Je dirais, je ne voudrais pas dire la lourdeur parce que ça semble péjoratif, mais je préfère dire l'intérêt, la grande importance de la responsabilité des leaders. Et c'est bien qu'on en apprenne comme ça. Merci pour ces encouragements. Moi, j'ai plutôt envie de dire merci aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, grand leader Madoché. Courage à toi pour ton travail du côté de Njombe Pinja. Je sais que quelque chose de grand, de fort se construit là-bas avec votre grand leader Maxime. Vous allez faire quelque chose de formidable. Courage à vous. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Je pense que Platine Coin, c'est clair. Je pense que chacun de vous a été édifié. Si vous avez encore des interrogations, n'hésitez pas. Vous savez comment me joindre en inbox pour que je vous apporte des éclaircissements et tout. Demain, nous aurons une présentation à 19h. En tout cas, le lien est actuellement dans le chat. C'est notre leader, Chavelli Claire, qui va nous présenter Platine Coin demain. Donc, soyez tous de la partie. Actuellement, notre leader Dorcas est en train de se connecter pour présenter Platine Coin en anglais. Donc, pour ceux qui sont d'expression anglaise, c'est l'occasion de vous connecter et d'avoir la présentation faite par les voix les plus autorisées en Afrique. Donc, voilà quoi. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci d'avoir été présents. Platine Coin, the time is now. Platine Coin, c'est le moment. Bonne soirée à vous. Ciao, ciao.